tous et à tous. On se retrouve pour une ouverture de colis. Ça y est, je tremble. Et ce colis me vient de ma froufrouteuse. J'ai peur. Je l'ai seulement ouvert. On aille un petit peu plus vite. Je l'ai reçu ce matin. Allons-y. Qu'est-ce qu'elle m'a mis dedans? Ah, son petit mot. Ta froufrouteuse. Excellent. Waouh. Elle m'a fait un petit cahier avec des petites notes de musique. C'est trop beau. Cahier comme ça. Trop, trop beau. Alors, elle m'a mis. Ah, c'est du popo. Ça, c'est super. Je ne sais plus. Ouais, je crois que c'est dans la vidéo de Nani, je crois. Ça, c'est génial dans le mix média. J'y pense. Bah, j'y ai pensé quand j'ai vu la vidéo de Nani. Et j'ai dit, voilà, je vais aller voir si j'en trouve. Et ça peut être génial, ça, sur des créas. Avec des petites fleurs. C'est génial, ça, j'adore. C'est du pot pourri. Et ça, c'est vrai que je n'avais pas pensé. Et j'ai vu, je crois, en regardant la vidéo de Nani, qu'elle s'en servait, justement. Waouh! Super, super. Oh! Un petit gros lot. Génial, tous ces trucs-là, j'adore moi. Pour coller sur une créa, c'est génial. Alors, je vais poser le colis là et je vais sortir tout ce qu'il y a dedans. Ceci. Elle est folle. Oh Isa, j'ai chaud, ça y est. Alors le tissu là. Il est superbe. J'adore. Alors. Allez, respirons un bon coup. Waouh. Oh la vache. Oh, elle est trop belle. Oh là là, mais j'arriverai jamais à faire un truc comme ça. C'est trop beau. Alors, c'est une boîte d'embellissement. Les boîtes qu'on achète chez Action. Alors, vous décrire ce qu'elle m'a fait dessus. C'est une tambouille à Isa. Hein. C'est waouh, c'est juste canon. J'adore. Alors, le papier du fond, j'adore, j'adore. Regardez. Trop, trop beau. Alors, je ne sais pas ce qu'elle m'a fait. Alors, c'est recouvert de tissu à bébête. J'adore les bébêtes. Je suis comme François, j'aime bien les bébêtes. Des rouages. Mais alors, elle m'a fait un schmilimilimiliblic tout autour. Je pense que c'est de la paillette ou de l'embossage sur l'image. Il y a de la peinture, ça certes. Mais alors, je ne sais pas du tout. Est-ce que c'est des perles de rocaille? Je n'en ai aucune idée. C'est juste trop, trop beau. Waouh, j'adore. Travaille là-dessus. Mais t'es folle. Waouh, waouh, waouh. Elle est superbe. Alors là, c'est. Voilà, je vais passer trop. Une plombe sur la déco de la boîte. Elle est magnifique. Waouh, mais je sais pas du tout ce qu'elle m'a collé tout autour. Regardez comme elle est trop, trop belle. Ouais, j'adore. Alors, je m'attends au pire. Hein. J'ouvre. Oh, j'aime bien le tissu comme ça. Oh, mais t'es cinglé, mon Dieu. Oh là 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 là. Waouh, excellent. Ah,
avec ses petites patouilles. Elle m'a fait... Oh, elles sont trop, trop belles. Elle m'a fait des fleurs. Waouh. Excusez-moi. Elles sont juste magnifiques. Oh là là. Oh, c'est trop, trop beau, trop beau, trop beau. Mais t'es folle, elle m'a blindé la boîte. Oh, c'est magnifique. Oh là 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 là. Ça rend super bien en papier comme ça de livre. Oh, je suis trop contente. Oh, celle-ci. Superbe. J'adore. Oh, 10 petites chauves-souris. J'adore, j'adore, j'adore. Oh non, là, Isa, c'est trop. Et là, pareil. Ah, celles-ci, elles sont belles. Mais alors, ton papier, c'est une tuerie. Oh là là, c'est trop, trop beau. Oh là là, elle est superbe. Oh, regardez celle-ci. Elle est magnifique. Oh là là. Oh, je suis trop contente. Alors ça, c'est un bois de petites... c'est pas une bibiche ou c'est une branche ou... Je plaisante. J'ai déjà une idée là-dessus. Il y a même des découpes de rouages. Ah oui, c'est vrai que tu as des découpes d'enfer. Ah, oh, génial. Une petite branche de houx. Oups. Des découpes en liège. Des petits chats. Pour Halloween. Ah, oh, la chauve-souris. Ah, des petits chats, des petits engrenages. La chauve-souris, elle est juste excellente. Oh, j'adore. Mais les petits chats, trop. Oh, c'est trop mimi. Oh là là. Mais je n'avais rien du tout. Mais rien du tout, à part ma faucheuse. En Halloween, sinon, je n'ai rien du tout. Rien du tout. Une petite horloge et des rouages. Ah, ça, des rouages. J'adore, j'adore, j'adore. Oh, il est trop beau celui-là. J'adore. Oh. Oh, c'est vrai que t'as des dice de dingue. De dingue, de dingue. Je sais pas par où commencer, il y en a tellement. Des embellissements métal. Ça, des feuilles, j'en ai jamais trouvé. Ou alors, je crois très très peu. Pas forcément Action, j'ai regardé sur Ali comment on lit, parce que c'est bien quand on les insère dans une créa. Un petit papillon. Oh, il est beau. Il est trop beau, avec des petits sequins. Oh, excellent. Oh, j'adore. Un cœur moumoute. Waouh, une petite fleur. Ah, c'est ce que tu récupères. Eh ben, super génial. Moi, j'avais des vieilles chaussures. Elles étaient foutues. J'ai récupéré les fleurs. Ça fait trop beau. Ah, super. Oh, j'adore les fleurs. Un embellissement métal. Joli. Wow. Oh là là, il y en a trop. Il y en a trop, Isa. Mais t'es folle, mais t'es cinglée. Oh, elle est trop belle, celle-ci aussi. Oh là là. Oh, ça me donne déjà plein d'idées. Des bâtons de cannelle. Ça, c'est génial. Super, super. Oh là là. Je sais plus. Petit petit ruban satin. Marron. Eh ben, je n'en avais pas de ça. C'est génial aussi. Oh là là, il y en a partout. Il est trop beau. Je regarde comment il est possible. Ah oui, il fallait y penser parce que c'est en fait, ça a l'air tout bête à faire ça. Des petits embellissements bois.
Toujours du métal. Toujours du métal. Ah, c'est avec la pâte de Chaxi. Super ça. C'est génial ça. Des petites feuilles, comment vous appelez ça, squelette. Vache, c'est beau ça. Elle est trop belle. Oh là là, mais t'es une dingue, une folle dingue. Des grandes épingles. Il y en a trop, je sais plus, je sais plus. C'est trop mimi. Oh là là, et ces épingles-là, c'est une tuerie. Elles sont trop, trop, trop jolies. On peut y insérer une petite photo ou franchement. Oh là là, ça, je vais mettre ça de côté. Je vais les utiliser. Autre mimi. Excellent. Ça, j'aime bien aussi. Un petit tag. Ah là, c'est avec ton papier. Des grains de café. Mais tu rigoles, mais là, man, j'ai pas beaucoup d'encre pour vieillir mes papiers. Et dans un premier temps, moi j'utilise toujours, hein, je faisais mes. Je vieillissais mon papier au café, c'est-à-dire les bordures de mes cartes, tout ça, je le faisais au café, puisque je n'avais pas la distress photo. Et ben, avec les moyens du bord, et ben, ça rend super bien. J'utilise toujours la technique là. Hein. Un petit cœur paillette. Moi j'aime bien ces petites bestioles-là. Génial. Ça me donne une idée. Des petits papillons. Ah, des araignées. Génial. Halloween, Halloween. Bon, ça va être bientôt fini, mais. Des petites citrouilles. Petite breloque. Ah, un dédé. Et là, des petits sequins, des araignées. J'adore l'odeur du café. Ouais, elles sont trop belles. Des jolies perles. Ouh. Des petits aiguiguis. Ah, je crois qu'on met ça dans les cheveux. C'est des bijoux de cheveux, je crois. Il y a des dingues. Oh, elle est belle aussi celle-là. Trop belle. C'est pas fini. Je n'en suis qu'à la boîte. Elle va durer 3 plombes. Ah, excellent. Emballissement en bois. Mais il y en a trop. Ah, c'est joli ça. Ah, excellent. Ça aussi. Une petite libellule, un petit nœud et des jolis aussi. Des petits trombones. Ça, j'arrive pas à en trouver moi. Pour aussi des tout petits, jolies perles nacrées. Toujours des trombones, mais t'es une dingue. Un truc fermé là. Ouh là là, j'ai peur. Ça c'est joli. Ça ressemble à du nacre. Oh, c'est sûrement du nacre. Petite pince. Ah bah ça c'est beau aussi. Ça j'adore. Ouh là là. Oh des. Ah tu m'en as mis plein en plus. Ah ça c'est excellent. Oula. Ah, ça n'ira pas plus loin. Je ramasserai après. Tous les petits trucs à récupérer. C'est excellent. Waouh. C'est le gros diamant là. C'est pas le cunia ou je ne sais pas quoi.
Excellent. Et voilà, elle m'a mis plein, plein, plein. Ah, c'est beau ça. Super là. Des diamants. Sont trop beaux. Des perles. Une petite bouteille de parfum, c'est trop mignon. Elle m'en a mis de partout. Je ne sais pas. C'est des découpes. Des découpes. Elle est belle aussi, celle-là. Je vous montre pas en plus, je regarde, mais je vous montre pas. Je ne l'ai pas trouvée non plus, cette découpe-là. J'aurais bien voulu. Mais voilà, il n'y avait pas. Je ne les aurais pas pris toutes. Hein. J'aurais pris sûrement la libellule et le. Celui-ci. Ils sont trop trop. Ça, c'est mettre de côté. Parce que. Hop. Allez, j'adore les dents comme ça. Ça aussi. Et voilà. Et des petites perles. Et des bidouilles. Et plein de. Mais. Oh non, moi, c'est trop. Alors là, c'est emballé. J'ai peur. C'est pas vivant. Ah oh, oui. Oh, elle est trop belle. Alors moi j'en ai trouvé mais pas des comme ça. Puis c'est vrai que c'est hyper fragile. C'est les petites fioles de. Waouh. C'est les petites fioles de chez Action. Tiens, je perds mes mots. Et je savais qu'il y en avait avec des petites billes. Regardez comme elle est trop belle celle-ci. Et j'en ai pas chez moi. Et elles sont remplies de peinture ou je sais pas quoi dedans. Elles sont pas comme ça. Elle est magnifique celle-là. Je me la mets de côté. Trop beau. J'en ai pas moi chez moi. Attends, on dirait vraiment une bouteille. Waouh, je la mets de côté celle-là. En plus, ça casse, je sais que c'est hyper fragile. Alors, je vais y ranger. Mais je vais avoir un truc à ranger, mais c'est phénoménal. Alors, les fleurs, excellent. Oh là 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 là. Mais c'est. Au secours, au secours! Il y en a partout, je ne sais pas du tout par quoi commencer. Mais non. Alors, je fais peut-être une bêtise. Non, c'est pour couvrir. Waouh, c'est trop beau, mais t'es dingue. Oh. Oh, c'est aimanté. Oh, le truc de dingue. Oh, je vais. Ouah. Oh, c'est trop beau, c'est magnifique. Oh Isa, waouh! Oh là là, c'est. Alors ça se présente. On ouvre et c'est. Elle a fait des petites pochettes. Merde. Le tissu, les couleurs, c'est juste sublime. Sa petite tante. J'adore, j'adore, j'adore. Mais où elle va me chercher tout ça? Je sais pas comment on appelle ça, mais il y a plein de petites pochettes. Alors je suppose que. Ah, les pochettes, il y a plein de trucs dedans, évidemment. Hein. Waouh! Et elle m'a mis plein de petites bidouilles comme ça. Ça, c'est génial aussi. T'as des petites pochettes. Donc, il y a trois petites pochettes. Mais qu'est-ce qu'elle m'a fait? Ça y est, moi, j'ai chaud là. Elle m'a refait des petites découpes. Alors, on va pas les ouvrir. Mais il y a de l'Halloween. Il y a des papillons. Mais c'est excellent ton truc là. C'est trop, trop beau. Toujours pareil, hein, avec des petites pochettes, elle m'a mis. Waouh! Ça, c'est chouette. Sur un album. Oh, c'est trop beau, ça. Mais tu t'es cassé la tête, mais t'es folle. Mais alors, je ne sais pas comment vous le décrire. Déjà, la couverture. C'est excellent.
C'est son tampon là. Il est super génial le tampon là. C'est recouvert de tissu. Donc engrenage, c'est en superposition. Je sais pas comment vous dire. Le tissu, il est juste sublime. Regardez les pochettes. Le tissu, il est brodé. Avec des petites pochettes comme ça, qu'elle a fait et tout. Mais c'est une dingue. Ouah, c'est trop. Ah non, mais là, j'adore, j'adore, j'adore. C'est fait comme un petit album, je ne sais pas comment on appelle ça. Aimanté qui se ferme comme ça. Il est magnifique. Oh, j'adore, j'adore, j'adore. Je vais rester 3 heures sur ce truc-là. Et en plus, c'est tamponné sur du tissu. C'est juste sublime. Oh, des gros bisous. Merci, Isa. C'est trop, trop beau. J'adore, j'adore. Waouh, mais t'es folle. Ah, ça me. Ouf. Allez, on va respirer. C'est trop, trop beau. Oh, merci. Voilà, youf. Ça me touche. C'est ouf. On va y arriver. Et puis c'était mis. En plus, c'est super bien présenté avec ça. Cette petite pochette là. Franchement, topissime. Puis c'est pas fini, les filles. Mais c'est trop. Mais t'es une dingue. Une folle dingue. Alors là, alors ça, génial. Un petit ruban en satin, dans les couleurs, on va dire marronnées, je ne connais pas trop, beige. Super. Et son fameux filet, là. Ça, c'est excellent à coller sur les créas. Ça, c'est génial. C'est géant. Ça, j'adore. Youhou. Mais je vais faire plein de choses. Moi, si je t'ai peut-être donné des idées, mais alors toi, tu viens de m'en donner mes 3000 là. Et dedans, on a plein de bidouilles, de bidouilles, de bidouilles. Mais t'es cinglé. Alors, je ne sais pas comment elle s'ouvre. C'est une boîte magique. C'est la boîte à Pandore. C'est la boîte à surprise. C'est. Oh! Ah, oh, c'est excellent. J'adore. Une bébête. Et dedans, forcément, assez blindé. D'embellissement bois. Trop beau. De petits cadres en bois. Ça, c'est excellent aussi. Ah, ça, génial. Elle m'a mis des bébêtes. Waouh, génial. J'ai des bébêtes, des bébêtes, des bébêtes. Waouh. Mais je sais pas où tu les trouves, c'est excellent. J'adore, j'adore. Ah, et je vais. Ça va compléter mon. Parce que je suis quand même sur mon junk depuis un bon moment. Et je voulais des bébêtes. C'est génial. Des encadrements. Une petite arabesque en bois. Ça, c'est joli aussi. Petite bobine. Elle est vraiment petite. Des petits embellissements, bon, des petites cages à oiseaux. Ça, c'est super mignon. Ah, ça aussi, c'est quoi comme petit? Ah, oh, c'est génial ça. J'aime bien la matière de ça. Et puis forcément, elle m'a remis ça. Et ça, c'est excellent aussi. Ils sont trop beaux. Je reviens. Me revoici. Bon, c'est les vacances. Les enfants sont un peu là. Donc, je suis un peu perturbée. Ah, on va continuer sur le colis de Isa. Et c'est magique. Elle m'envoyait des trucs de dingue. C'est des trésors. Et dans sa petite boîte, il y a plein
plein de bidules chouettes, de trucs que je vais me servir. Ça, c'est super beau. Et ça, j'ai déjà. Je suis en train de faire un projet sur. Sur Dracula. Et ça, comme le petit cœur de petite Trumousse, ça, et le petit cœur de petite Trumousse, ça va être dans ma créa. Je le mets de côté. Elma. Ça, c'est génial. C'est de l'embossage sur de l'alu. Ça rend super beau. Des petits galets. Ça, c'est super chouette aussi. Un galet décoré. Des anneaux. Génial. Ça se colle. C'est super. On fait des super trucs avec ça. Un petit tag, des petites fleurs en bois. Mais c'est une boîte à trésors. Oh, c'est beau ça. Elle m'en a mis, mais elle m'en a mis. C'est hallucinant. Mais c'est une dingue. Des petits embellissements en bois. Des tas de bidouilles. Des... Ah, c'est une attache. Ah, c'est pas mal ça. Vous savez, ces petites attaches qu'on met des cordons et puis hop, on passe dedans, on appuie, hop, on lâche et. Super, super, petit coquillage. Ça, c'est joli aussi. Ce sont des perles, elles sont très, elles sont belles. Si vous voyez bien ce que je sais pas. Lumière. Petite pyramide. Trop mignonne. Et j'en passe et j'en passe. Des petits flots, des petits cœurs. Un petit embellissement comme ceci. Avec un petit oiseau. C'est ouf. Et c'est pas fini. Et là, j'ai. J'ai des trésors. Je suis super heureuse. Tu peux pas savoir comme ça me fait. C'est ouf. C'est trop. Même si c'est pas envoyé tout ça, moi, t'es une dingue. En fait, t'es une dingue, quoi. Une dingue. Je reviens. Je n'ai plus de batterie. Je vais brancher mon téléphone. J'ai rebranché parce que mon téléphone me faisait bip bip, plus de batterie. Et voilà, ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. On continue, mes petites lunettes. Elle m'a mis des petites fleurs. Je crois que c'est des primes verts. Elle m'a mis des rubans. Alors un peu effet métallique sur l'arrière. Enfin, ce velours, les deux côtés peuvent être utilisés. Génial. Alors celui-là, j'adore, avec les petits points de couture. Super beau. Celui-ci, dans les tons un peu vert. Enfin, vert très 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 léger. Ah là là, Isa, 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 Isa. Ensuite, il y a ceci. Un bout de tissu. Il est trop bien le tissu là. C'est vraiment. Ça, c'est vrai que pour les couvertures d'albums, ça, c'est super tissu. Évidemment, dedans, qu'est-ce qu'elle m'a fait? Elle m'a mis. Ah, son. Wow, c'est son papier, c'est trop beau ça. Elle m'a mis. Ses patouilles à elle, hein. Ses créations de papier. Et c'est. C'est long. C'est du serviettage, c'est comment? C'est trop bien ça. Ah, ça fait trop beau. Ah, mais ça, je vais l'insérer dans mon junk. En plus, c'est la dimension. C'est génial. Youyou, je vais mettre ça de côté. Et un bon bout de tissu. Et franchement, ce tissu-là, c'est le top. Là, c'est du big costaud. Hein. On faisait des sacrés trucs. Hein. Et elle m'a. Waouh! Des trucs de dingue! Qu'est-ce qu'elle m'a mis dedans?
Elle m'a mis plein de bestioles. J'adore. Des vieux livres avec tout plein de bébêtes. Les papillons sont juste magnifiques. Regardez-moi ça. Trop, trop beau. Bon, il y en a, oui, les livres, les puristes, mais non, on s'en fout. Ces livres-là, ils vont être brûlés si c'est pas utilisé, alors autant qu'on les utilise. Trop, trop beau. Ah, les vilaines bébêtes, ça c'est excellent. J'adore le hanneton. Excellent. Ils sont trop bons. Alors, Lotophagus rangifère. Oh. Il est trop laid. Ah, j'adore. Et là, on a des chenilles. Oh, le papillon, super beau. Finalement, je regarderai ce côté-là. Là. Et là, elle m'a mis sur l'Afrique. J'adore. Oh. Je pense, hein. Non, Argentine, Chili. La pratique des rites vaudous. Ouh. Excellent. Ça, c'est génial. Matari. Même tout ça, les écritures. Ah, génial! Ah, waouh, elle est. Et la photo là, c'est super. J'adore. Excellent. Ouais, c'est gé... c'est géant. Géant, 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 géant. J'adore, j'adore. Ça aussi. Des choses qui dérangent et tout ça. On peut faire des super trucs. Je prépare. Enfin, j'ai plein de trucs, hein, mais je prépare aussi un truc sur la religion. Les religions, parce qu'on va pas après, on va me dire que ni hein, pourquoi eux, pourquoi pas eux. Les religions. Ça, c'est génial aussi. J'allais dire les Aztèques. Eh ben, j'étais pas loin. Ouais. Ça aussi. Wow, les trucs de ouf que tu m'as mis, des vieilles pubs. Excellent. Génial. J'adore. Inquisition. Waouh! Alors celle-là, elle déchire. Mais t'es cinglé! T'es cinglé! Le cirage Baran! Super! Et elle m'a mis des partitions. Mais t'es cinglé, hein! C'est hyper difficile à trouver ce genre de papier. Parce que même dans les Emmaüs, je crois que j'ai trouvé un petit livre comme ça. C'est la première fois en je sais pas combien d'années que j'ai trouvé ça. C'est hyper recherché. Je regarde sur les brocantes, sur les vide-greniers, ils vendent ça une fortune, il faut qu'ils arrêtent quoi. Mais c'est tellement demandé. Ces trucs, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui font des choses comme ça avec ça. C'est tellement demandé que ben, par chez nous, enfin, on va dire, c'est rare d'en trouver. Je suis super contente d'en avoir. Parce que ça aussi, dans le home déco, quand on est dans le chabi, c'est sympa de faire des petits rouleaux, de mettre ça, de faire des petites mises en scène. Et je suis super contente d'en avoir. Surtout des grandes. Alors, ces images-là, c'est excellent. Je kiffe. Je kiffe, je kiffe, je kiffe. Les bébêtes. Le tissu.
Mais t'es une grande dingue. C'est pas fini. Mais t'es folle. Petit embellissement bois. Ça, c'est sympa aussi pour sur des créas. Et elle m'a mis tout un stock de serviettes. Avec des petits oiseaux. Sur un fond de feuillage doré. Elle m'a mis deux, forcément. Elle m'a mis des roses. Super jolie. Celle-ci, elle est belle aussi, avec la tour Eiffel. J'adore l'oreiller noir et blanc, noir crème. Super jolie. Ah, celle-ci aussi. Les serviettes, elles sont géniales. J'en ai quelques-unes, mais pour aller comme ça, hein. Celle-ci, elle est super. Je suppose que c'est un corbeau. Oh, j'adore les corbeaux. Ça s'apprivoise super bien. Ma fille en a apprivoisé un. Hein. C'est terrible. Et dis-donc, tu vas les trouver où ces serviettes-là? Bon, c'est écrit, je suppose, en allemand. Je ne sais pas trop. Hein, où... Et elles sont. Oh, elle est belle aussi celle-ci. Oh, mais t'as des serviettes de dingue. De dingue. Regardez-moi ça. Ça pour recouvrir, exemple, pour recouvrir le mannequin, je vous ai fait le tuto. Vous pouvez vous servir de serviette comme ça. Si vous pouvez le recouvrir et vous aurez tous les motifs qui vont ressortir, vous le peignez en blanc et puis vous venez le recouvrir de serviette. Ça peut faire un super rendu. London. Celle-là, c'est une tuerie. London, ma fille, qui aime bien Londres. Mais alors là, celle-là, elle est. Ouah, mais t'es folle, elle m'en a mis des belles. Et... Oh, alors celle-là, j'adore. Trop, trop, trop jolie. Oh, mais je pourrais pas les utiliser, elles sont trop belles. Celle-ci aussi. Ouah, elle est magnifique, celle-là. Mais j'adore, j'adore. Celle-ci avec la cannelle. Excellent. C'est super beau quand même. Ça, c'est bon, ça sent bon et c'est beau. Génial. Oh, sa fameuse horloge. Et ben moi, tu sais, moi j'en avais que deux des serviettes comme ça parce que des fois, il y a certains magasins dans le temps, on pouvait les acheter à l'unité. Et quand j'ai vu que tu en avais trouvé comme celle-ci, me semble, hein, si mes souvenirs sont bons sur tes vidéos, c'était à Noz. Bon, moi, il n'y avait rien. J'y suis allée, il n'y en avait pas. J'ai été un peu déçue. Je suis contente d'en avoir une parce qu'il m'en reste plus qu'une. Et on fait des super créas, c'est vrai, avec ça. C'est génial. Et j'adore. Et j'en avais que deux. Maintenant, je m'en retrouve encore deux. Et super, super. Merci, ça, je sais même pas. Pff, je sais plus. Et c'est pas fini. Mais t'es dingue. T'es une folle dingue. Et elle m'a mis forcément. Alors, ça, c'est topissime. C'est faux patouille à elle. C'est. De toute façon, on peut même pas. Oh là là, mais elle est cinglée, elle m'a mis des trucs. On peut même pas les décrire, ces fonds. C'est sublime. Alors. Donc, c'est ces papiers, si je me trompe. Papier, café, chocolat. Là, j'ai un doute si c'est de l'encre. Voilà, oui, le doré de l'encre. C'est superbe. C'est trop beau. Là, toujours ces papiers, je pense que c'est de l'encre ou du curry ou je ne sais pas, je sens, mais c'est juste topissime. Puis aussi bien le côté recto verso, quoi. C'est superbe. Superbe, superbe. Et elle m'a mis, alors ça je vais essayer, bah, je t'avoue que je vais essayer cet été, l'été prochain, voilà. Parce que ça c'est topissime, topissime, faire son papier comme ça, et en plus là je l'ai, je le touche, c'est géant, et je me suis dit, il faut que je fasse, il faut que je fasse, et, mais c'est vrai que en faire, on pourrait le faire à la maison en petite quantité, mais c'est moins drôle, parce que quand on a ça, c'est
On fait plein de choses avec ce truc-là, c'est dément. C'est dément. Ce que, le tuto que tu nous as fait là, c'est démentiel. J'adore, j'adore, j'adore. J'attendrai l'été prochain pour faire ça. Et là, je l'ai en main, mais c'est magnifique. C'est superbe. Et là, je crois que ça avec des petites feuilles que tu avais mis dedans, des petites fleurs, du feuillage. Topissime. C'est trop beau. Mais là, le boulot, je vais le garder pour mettre dans mon junk. Il va être énorme, mon junk. Et là, ah oui. Ça, j'ai pas essayé. J'avoue que c'est sublime. Le rendu que ça fait. Rien à voir avec les photos. Oh, mais c'est beau. Mais en fait, il faut pas grand-chose là-dessus. Le papier suffit à lui-même, quoi. C'est un truc de dingue. C'est magnifique. Et ça, j'ai pas essayé. Il faut que je trouve une grosse gamelle. C'est juste trop, trop beau. C'est. Oh là là. C'est magnifique. Ça, j'adore, 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 j'adore. Trop, trop beau. Toujours pareil dans sa marmite. C'est le rendu, c'est. C'est un truc de dingue. C'est trop, trop, trop beau. Il n'y a pas de mousse. Mais c'est. Voilà, c'est. Ça vaut les papiers de Stamperia. Je suis désolée, les filles, mais je vous le dis, quoi. C'est magnifique. Magnifique. C'est. Ah, il faudrait que j'essaye ce truc-là. Bon, après, voilà, c'est. Et toujours pareil, avec. Je pense que c'est au chocolat. C'est. Je sais pas trop ce qu'elle met dessus, forcément. Ces petites patouilles à elle, c'est trop trop beau. Trop trop beau. J'adore, j'adore. Moi, tout. C'est vrai que les papiers là. Voilà. Et de toute façon, moi, je m'inspire de toi, hein, Isa. C'est topissime, ça, j'adore. Il est trop beau. Oh, regarde. On dirait. Alors, moi, on voit un dragon là. C'est superbe celui-là. Avec son museau, il crache de la fumée, là, le museau. Les yeux. Voilà. Non, je me fais soigner, hein. Je vais voir un psy, vous rassurez pas. Je vous rassure. Mais on peut faire ressortir quand on fait ces papiers, on fait ressortir les personnages, mais des fois j'hallucine quand je vois des trucs dessus. Il suffit de les sublimer, de les mettre en valeur, de faire des ombres et tout machin, et là on a notre sujet, quoi. Le dragon, là, je le vois. Hein. Il est sublime. Sublime ce papier. Et l'arrière, comme ceci. Ça, son recto verso. Ils sont superbes. Hop là. Toujours pareil. Ces fonds patouilles. Ah, ils sont. Ah, celui-là. Waouh. J'adore. Alors, je ne sais pas avec quoi tu l'as fait. Il a un effet. Oh, il est trop beau. Ça doit être avec les encres. C'est vrai que voilà. Prochain investissement, c'est là-dedans, hein, parce qu'on fait des fonds. Même si on fait de la récup, hein, on n'arrive pas à avoir des effets. Il est sublime, celui-là. Vache, j'adore. Et à la gel presse, que j'ai fait aussi. La gel presse. Et on fait des trucs. Ça n'a rien à voir avec les papiers café et tout ça, mais on fait des jolis trucs sympas. Et bon, on peut s'en servir après de ces papiers-là pour faire des découpes. Et le rendu, il est génial. Surtout quand on fait des fleurs. Et j'ai fait ton tuto et je suis super contente. Il y a un moment que je ne l'ai pas utilisé. Mais. Et ça, c'est quand tu mets tes fleurs dans la machine de découpe. Et tu disposes tes fleurs sur tes feuilles. Et ça fait super beau. C'est magnifique. C'est trop, et sur différentes textures de papier. Génial. Ah! Mais tu m'as fait une enveloppe. Qu'est-ce qu'il m'a fait encore? Et là, elle a fait une enveloppe. C'est une tuerie. Une tuerie. Ça, c'est génial. Évidemment, elle s'est pas arrêtée là. Elle m'a mis des choses dans l'enveloppe. C'est pas possible, c'est pas possible. Oh là 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 là. Elle m'a mis ses découpes d'enfer. L'enveloppe, elle est topissime, j'adore.
Belle marmite. Déco. Je l'adore celle-là. Et ça aussi. Coller. Ah, mais c'est... Ah non, c'est de la pâte. Oh, tu l'as fait toute fine. Oh, c'est hallucinant. On dirait du cuir. Oh, c'est trop beau. Avec la pâte grise de chez Action. Et honnêtement, là en main, on croirait du cuir parce que c'est souple. Super. Et là, c'est du... Non, c'est les œufs de colle, c'est du cuir, c'est super beau ça. Je pense que c'est un tamponnage sur une... Sur du cuir, ça c'est chouette. 10 petites pochettes. Ça c'est des tamponnages. Ils sont beaux aussi. Trop trop belles. Pareil, tamponnage, mais je crois, ça je pense que c'est du serviettage. Génial. 10 petites étiquettes. Et là, elle m'a mis des découpes d'enfer. Et ouais. Forcément, on va dire c'est. On va les mettre comme ça. Ça, c'est des. C'est pour Halloween, mais moi, on peut pas for... moi, je m'en sers pas forcément pour... que pour Halloween. Elle est géniale, cette découpe-là. Je m'en servirai pour autre chose, forcément. J'adore, j'adore. Ouais, celle-ci, le corset est trop belle aussi. Du coup, désolé, mon téléphone, il avait plus de son, plus d'image. Donc, on en était à la suite du colis d'Isa. Et dans cette magnifique enveloppe. La recherche, je l'ai mise là. Elle m'avait donc mis des découpes. Donc là, on va recouper. Je vous ai même dit que celle-ci, c'est pas forcément où j'attendrai Halloween pour l'utiliser. Elle est super jolie. Dedans, elle m'a mis une petite étiquette ou tag. Cette découpe-ci, on voit pas trop bien parce que blanc sur blanc, forcément. Cette découpe-ci. Des petites pochettes comme ça. Elles sont très très jolies avec du tamponnage, je suppose, ancré, vieilli. Celle-ci, imitation cuir. J'avais reproduit ton tuto, mais franchement, tu fais du collage dessus, ça rend super bien, j'aime bien. Ça à refaire. Elle m'a donc mis, toujours pareil, des découpes. Ça a un nom, ça. Ça m'en reviendra. Et monter sur un fond de liège et là sur découpé en liège sur un fond noir. Ça fait vraiment super super. J'adore la découpe là. C'est super beau. Et toujours pareil. Enfin, toujours pareil. Elle m'en a mis deux, ça c'est génial. Même plus trois, elle me l'a mise en blanc. J'adore cette découpe, elle est super jolie. 10 petits ballons. La petite découpe là, elle est trop trop jolie. Des bustes, pareil. C'est mimi comme tout ça. J'en ai pas de découpe de buste. Il titre l'œil. La découpe papillonne, très jolie. Avec les rouages. Oui, elle m'avait fait, je pense que c'est un tamponnage sur du simili-cuir. Ça rend super bien. Oui, sur la fameuse pâte d'action, vous savez, la grise. Eh ben, je pense que c'est du tamponnage. Et pour avoir l'effet ciré, je pense qu'elle utilise du fard à paupières, enfin je ne sais pas trop, des angles du fard à paupières, mais ça rend, on dirait réellement, je vous assure, on l'a en main, du cuir. C'est légèrement souple, et on dirait vraiment du cuir. Ça, génial sur une créa. De l'embossage sur alu, avec les petits chevrons là, quoi, on retrouve dans les garages. Une petite horloge.
Ah, ça, c'est pas ces papiers patouille, ça. Ça rend super bien. Une petite découpe de rouage. Ah oui, son dice d'enfer. Génial. Et puis, son fameux gros dice, horloge au rouage, qui est sublime. Super. Et puis, pour terminer, hein, elle a pensé à mettre son petit froute. Excellent. Mais il est super beau. Je pense que j'ai. Ah, voilà, je l'ai mis à l'endroit. Il est super beau. Alors, voilà, je tenais à te dire ben, merci pour tout ce que tu m'as envoyé. Le fait d'avoir une de tes créas en ma possession, c'est waouh, je suis super heureuse. Je te fais mille merci, mille merci, mille merci, mille merci, mille merci. Voilà, je j'ai pas de mots. Je suis super heureuse. Franchement, heureuse, heureuse, heureuse. Avoir des créas de ma froufrouteuse, moi, ça n'a pas de prix. C'est, voilà, c'est, je suis super heureuse. De plus, je tenais aussi à m'excuser parce que j'ai tourné la vidéo. Il y avait des enfants, enfin, des ados, qui jouent à, comment dire, à leur PlayStation ou je sais pas quoi, ou jeux vidéo, on va dire, dans les pièces à côté. Donc, c'est forcément la vidéo, pas celle-ci, parce que je l'ai filmée. Du coup, quand j'ai vu ça, je vais filmer le lendemain, malgré que mon téléphone avait buggé. Et je tenais à m'excuser parce qu'on a des bruits de fond, ça rigole, ça machin, ça crie, entre guillemets. J'avais beau essayer de les calmer. Rien à faire. Donc, je tenais à m'excuser sur la vidéo, sur le début de vidéo, que ça a un peu mouvementé. Voilà. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Isa, merci, 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 merci pour tout, pour tout, pour tout. Je te fais tout plein de gros bisous. Bye bye.